Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que vous vouliez un vlog à Lille. Donc voilà, ça fait 2-3 jours que je suis à Lille déjà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de couper ma tignasse. Alors je vous montre un peu ma tignasse comme ça, rapidement, pour que vous voyez, voilà, c'est mes cheveux bouclés. Hein, et ils sont ultra longs, je pense qu'ils arrivent en bas de mon dos, j'en sais rien. Du coup voilà, j'en ai marre, j'ai envie de couper un peu ça, d'affiner, faire quelque chose, donc on verra. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller dans un petit village, ça s'appelle mon village de recueil, je sais pas si vous connaissez, à Villeneuve-d'Ascq. D'ailleurs n'hésitez pas à venir si vous êtes de Lille, du coin, de Villeneuve-d'Ascq, etc. Ça me ferait super plaisir en commentaire, et du coup bah je vous retrouve après pour voir ma nouvelle coiffure, et je vous ferai visiter aussi une petite boutique que j'aime beaucoup ici, qui s'appelle Gris Souris. Je vous en ai déjà parlé sur Snapchat, donc je vous la montre juste après. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner hein. Je vais pas faire un truc de fou, hein, ne vous attendez pas à les cheveux courts. Hein. Mais je vais faire un petit changement quand même capillaire qui va me faire du bien, je pense. Et puis voilà, bon, je vous retrouve après. Donc au niveau du coiffeur, je vais aller au shampoing parce que ma copine qui habite pas très loin d'ici m'a dit qu'il était bien et que voilà. Et derrière cette voiture rouge, vous voyez, il y a deux boutiques. Il y a la boutique Gris Souris et la boutique aussi. Et du coup, c'est une boutique vraiment très sympa avec des grandes tailles et tout. Donc bah, je vais vous montrer juste après, on ira à l'intérieur. Du coup, voilà. Allez, direction le coiffeur. Bon. Eh bien, je suis partie tout à l'heure, il était 10h30 et là, il est exactement 16h. Donc, j'ai mis 6h dans le coiffeur. Je pense qu'elles vont détester les pauvres. Donc, je remercie encore l'équipe de shampoing parce que vraiment, elles ont été adorables. Au départ, elles avaient fait une décoloration et une patine, mais c'était encore trop clair. J'avais l'impression d'être rousse et du coup, elles m'ont refait une deuxième patine pour que ça soit un peu moins clair. Donc voilà, c'est un peu plus naturel. Et le brushing, je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux, mais ils s'en mêlent tout le temps. C'est juste, elles ont aussi des épaissies parce que j'avais trop de masse et tout. Donc voilà le résultat. Alors c'est pas un résultat de dingue, c'est pas le changement capillaire de fou, mais ça fait tellement de bien. Mais après 6 heures dans le coiffeur. Donc je remercie encore Kathleen parce que la pauvre, elle a galéré avec moi si elle passe par ici. Voilà, je la remercie du fond du cœur. Et voilà, bon bah vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais essayer d'aller dans la petite boutique dont je vous ai parlé, s'il n'est pas trop tard. Et après rejoindre mon mari parce qu'il commence à se dire que j'ai mis 50 heures pour faire cette coiffure. Le pauvre, il m'attend depuis je sais pas quelle heure. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer un peu plus tout à l'heure. Vous voyez, derrière c'est beaucoup plus clair. Et voilà, je sais pas si on se rend compte. Bien sûr, là c'est en brushing, donc ça rend pas pareil que quand j'aurai mes cheveux bouclés. Mais voilà, vous verrez ça dans d'autres vidéos, je pense. Donc voilà. Me voici dans la boutique Gris Souris. Donc pour celles qui recherchent cette boutique, c'est à Villeneuve-d'Ascq, au village du recueil. Du recueil, voilà. Je vous mettrai l'adresse et le site et tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, je voulais vous parler de cette petite boutique parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Il y a des super pièces. Si vous êtes ronde, vous avez même une boutique à côté, voilà, avec des plus grandes tailles. Mais déjà dans celle-ci, ça taille jusqu'au 42. Ah, 42, je pense que c'est un petit peu plus. 42, et à côté, du coup, c'est 40. Oui, on prend la suite du 42 au 54, à peu près. Donc voilà, vous avez toutes les infos, mais honnêtement, il y a des très jolies pièces. D'ailleurs, il y a même des petites pièces de créateurs, là, pour les enfants, qui sont faites main par des gens du coin, je pense. Ouais. Hein. Là, il y a Nick qui est de Chéran. Comment ça s'appelle? Sa marque, c'est Lilou et Lorenzo. Lilou et Lorenzo. Elle fait donc tout ce qui est enfant, et elle est aussi, elle fait tout ce qui est petites lingettes démaquillantes. Ah oui, il y en a là-bas. Ouais, lingette bio lavable. Ça, c'est Yannick qui fait aussi. Donc voilà. Elles sont super d'ailleurs. Elles sont toutes douces et tout. Donc très très bien, très doux pour la peau. Regardez-moi ces petits motifs trop mignons. Il y a pas mal de choses. Enfin, vous pouvez trouver plein de petites pièces. Donc tout ce qui est haut, veste, je vais vous montrer parce que là je bouge n'importe comment. On va essayer de faire ça bien. Donc là vous avez ce que je vous disais pour le créateur, pour les enfants. Et ici vous avez toutes les pièces. D'ailleurs, quand vous aurez ce vlog, je pense que tout ça, une bonne partie sera soldée entre 30 et moins 20%. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Regardez, il y a des jolis hauts. Des jolis hauts, moutarde, enfin bon. Regardez-moi ça. Il y a toujours la petite touche, je trouve. Regardez, c'est gravé un petit peu. Enfin, gravé. C'est, comment on dit? Joli poème. On appelle ça comment quand on fait des petits trucs comme ça? Là, moi, j'arrive. Brodé, voilà, je cherchais le nom. Oh là là là. Après 6 heures dans le coiffeur, voilà. Oui, j'ai plus toute ma tête. Il y a des superbes hauts. Vous avez tout ce qui est veste, chemisette. Vous avez des pantalons. Et après, j'irai voir la deuxième boutique pour les plus grandes tailles. Là, vous avez tout ce qui est pull.
Ah, c'est ça, vous avez appelé le bar à pull ou un truc comme ça? Oui, enfin là, il est un peu vide mon bar à pull. À un moment, il y avait plus de quantité. Mais là, les soldes commencent. Bah là, en plus, là, vous avez mis des jeans du coup? Oui. Ils sont jolis ceux-là. C'est des petits pulls légers? Oui. Petite maille coton, donc plus légère. Ils sont sympas. Vous avez bien sûr tout ce qui est bijoux, accessoires qui vont avec. Gants, sautoirs. Si vous cherchez des petites pièces un peu originales, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur ici. Moi, j'ai ma copine Yasmine qui vient tout le temps s'habiller ici. Donc, me voici dans la deuxième boutique qui s'appelle Aussi et qui commence du 44. 42 au 52. Il y a la gérante qui est là, qui va pas être sur la vidéo. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu pareil la boutique. Je vais découvrir aussi les petites pièces parce que je connais pas cette boutique. Elle a ouvert au mois de septembre, non? Début septembre. Exactement. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de venir. Donc je vais découvrir avec vous. Donc comme tout à l'heure, c'est disposé comme ça en, je sais pas comment ça s'appelle, dans le langage du commerce, pour les soldes. Pour préparer les soldes. Donc là, vous avez tout ce qui est jeans. Donc je vais découvrir les petites pièces un petit peu. Il y a des vestes. Il y a même des shorts. Parce que oui, il faut l'avouer, quand on fait du 44 ou du 46 ou du 48 comme moi. Moi je fais du 46 et ben j'ose pas trop mettre ce genre de petits shorts. Mais ça pourrait bien m'aller. Hein. Faudrait que j'essaye, faudrait que je me lance. Ah, j'aime bien ce genre de jupe. Donc là, si vous venez en boutique, vous trouverez plein de produits en solde. Hein. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, des informations en barre d'infos. Si vous êtes du coin. Ah, j'aime bien ce genre de truc. Les petits gilets comme ça, là, j'aime bien. Et je trouve quand même que dans ces boutiques, la petite touche, c'est que les cabines des sièges, elles sont trop classe. Oui, je sais. C'est la petite touche. Il y a des trucs quand même que vous trouvez pas partout, je trouve. Ce genre de pantalon, même à New Look, etc. Enfin, pour du 46, ben voilà, on trouve pas forcément partout. Donc ma foi, c'est pas mal du tout. De trouver des petites pièces un peu originales et que... À des prix doux. Il y a des prix doux, oui. J'ai pas précisé les prix, c'est vrai. D'ailleurs, on va regarder un prix d'un petit haut, d'un petit pull. Oui, voilà, c'est une trentaine d'euros à peu près pour une veste ou un petit pull. Je pense que ça dépend ce que vous choisissez. Ça reste tout à fait raisonnable. Et là, c'est les soldes, n'oubliez pas. Donc, c'est le moment de craquer. Donc voilà pour celles que ça intéresse, les horaires, et je pense qu'il y a l'adresse, voilà, juste là. Honnêtement, il y a des jolies pièces, et là, ça va être quasi, enfin, c'est ce que vous m'avez dit, toute la boutique va être soldée, donc vu qu'elle vient d'ouvrir, tout va être soldé pour la nouvelle collection. Bon, je suis sortie de la boutique, j'ai rien pu acheter, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que mon mari m'a dit que ma fille avait des petits boutons sur le corps et que du coup on devait aller à la pharmacie pour voir ce qu'il en était. Donc ben, j'ai allé vite le rejoindre. En tout cas, on est dans le Noël. Oui, bah, il est déjà 17h, il fait nuit. Hein. En tout cas, voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne suis pas à Rousse, ne vous inquiétez pas. Enfin, là, on voit plus grand-chose du coup, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo, un autre vlog. Je pense que celui-ci va s'arrêter là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous serez venu avec moi dans mes aventures 6h chez le coiffeur. Non, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, sérieux. D'ailleurs, ça m'a bien coûté cher. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas dépensé après, parce que là, il faut que je m'en remette. Hein. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite dans un prochain vlog, parce que je pense en faire un deuxième avec mes achats. Oui, hier j'ai craqué. Je m'arrête là. Salut, salut.